Bonjour et bienvenue pour ce let's play extraordinaire, incroyable, tout ce que vous voulez. Un let's play sur Final Fantasy VII. Mon dieu, le jeu de mon adolescence, le jeu de... Oh, cette musique. Allez, j'augmente le son. Cette musique. Juste tellement, tellement belle. Bon, c'est une version iPad. Oui, donc j'ai décidé de faire ce let's play sur la version iPad. Pour des raisons pratiques, surtout parce que j'avais pas les moyens d'utiliser ma PlayStation et que j'ai prêté mon jeu à quelqu'un et que je n'ai toujours pas récupéré. Mais bref, allons-y gaiement. Il y a deux ou trois petits trucs assez sympas. Voilà, on commence une nouvelle partie. Ah, cette intro. Oh là là, mon adolescence a été créée avec ce jeu. J'ai grandi avec ce jeu. J'ai vécu, frissonné, pleuré, ri. Oh, fantasmé. Mon dieu, Tifa, oh là là. Ah non, ce jeu. Et combien sommes-nous avoir fait des let's play de Final Fantasy VII? Des dizaines, des centaines, des milliers peut-être même. Mais je m'en fous. Vous qui regardez ce let's play, merci. Vous avez dû tomber dessus par hasard. Tout comme vous avez peut-être tombé sur le let's play de Legend of Grimrock que je fais en parallèle. Plus deux, trois autres trucs. Ah! Ah, oh, Iris. Ah, oh, j'ai presque mouillé mon pantalon. Enfin. Bref, surtout qu'ils ont prévu... Oh, chut, tais-toi maintenant. C'est tellement beau. Ça me meut. Avec le Goblin's Bar. Donc, ils ont prévu quand même de ressortir pour les... Est-ce que c'est pour les 30 ans? Non, ça peut pas être pour les 30 ans. Pour les 20 ans, je crois. Une version remasterisée. Donc je me dis vite, autant faire le let's play avec une vieille version. Et c'est parti! Mais c'est un train. Oh là 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 là, je me souviens la première fois que j'ai vu ça, j'étais tellement pris dedans. Ah, pardon. Excusez, voilà. Alors, les petites variantes qu'il y a avec les autres versions. Donc, vous avez les deux boutons en bas. Rencontre, oui ou non. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de rencontre aléatoire. Oh là là, petit périlleux là. Vieux policier. Et donc vous avez, voilà, vous me voyez jouer. On récupère la passion. Alors si je mets up, non, je n'ai pas de rencontre aléatoire. Si je mets oui, ben j'en ai. Et le A là, c'est pour les boutons, si vous avez la croix multidirectionnelle ou le pad. Je vais garder le pad, c'est plus facile. Au niveau des options, il y en a une ou deux qui sont. Configuration. Il y en a une ou deux qui sont plutôt marrantes. Alors, d'abord là, c'est bon. Configurer. Moi j'aime bien changer la couleur de mon truc. Mettre un truc bien cracra. Youlou. Ok, on va faire ça comme ça, c'est très très bien. C'est très très bien. Ouais, parfait. Ça c'est hyper flashy, c'est nickel. Configuration des boutons, non, ça c'est bon. Curseur, on va mettre origine, ça c'est bon. Je vais mettre en attente parce qu'avec le pad, je me plante la moitié du temps. Vitesse de combat, allez, un peu plus vite. Message combat, donc c'est bon. Message terrain, un peu plus vite. Angle de vue, c'est bien. Oui. Sauvegarde automatique, non. Et attribut max, en fait, si vous cliquez là-dessus,
vous avez la possibilité de faire monter vos personnages directement au niveau 99 avec tout au maximum. Pas les armes, ni les matérias au niveau, mais vous avez la possibilité de tout faire monter au max, de même que la thune aussi. Donc c'est pas très intéressant. Je ferai peut-être plus tard une double sauvegarde pour une raison que je vous expliquerai. Mais actuellement, tout va très bien. Non, mais je peux pas garder cette couleur, elle est trop dégueulasse. Voilà, ça va être très bien. Alors, soit je mets du blanc. Non, mais ça va être crade. Voilà, oui, bon, bah, tiens, ça c'est. Voilà. C'est merveilleux, et on est parti! On est bon! Oh oui! Quel graphisme! Quelle merveille! Sorti en 1997, donc, sur la version PS1. Hop, tiens, prends-toi ça, espèce de sale petit connard! Oh là là! Cette bande-son, mais cette texture dégueulasse de pixels! Bon, là je dois bien avouer que niveau texture, c'est pas. Ça ne cassose pas les briques. Ni le jeu actuellement. Le mec, il a une ombre, on dirait un socle de figurine. Hop, hop, je récupère ma dose. On continue. Potion, allez hop, super bonjour. Les commandes sont parfois. Ouais, dis donc. Mais non. Parmi nous. Ah oui, je sais pas si ça a été refait, mais la version française, la traduction française était dégueulasse. Avec des fautes de frappe, des fautes de français, des fautes de tout ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que là j'ai mon menu en anglais? Je ne sais pas. Allez, on va laisser le nom original de Cloud. Allez, petit nuage! Ou bien je le mets version française. Allez. Bridge. On va mettre clad. Et. Voilà. Ça, c'est bien, clad. Ok. Je m'appelle clad. Oh, bah merde, là. Je m'en tape de ton nom, espèce de connard. Que de souvenirs. L'incompréhension totale de voir cette espèce de trou du cul, si je puis dire, être le héros du jeu, avec cette espèce de coupe de cheveux à Dragon Ball. Je ne t'aime pas. Je ne te fais pas confiance. Je m'appelle Barrette. Les cheveux. Je me permets de le critiquer parce que j'aime ce jeu. Faites gaffe à ce que vous dites, vous. Et en fait, je me rends compte que j'ai mis les curseurs au mauvais endroit. Donc il faudrait que ça aille plus vite. Allez, fais mimi. Hop. Je peux mettre le pad n'importe où en fait. Je peux faire n'importe quoi, c'est trop bien. On retourne en configuration. Ah oui, mais je suis con. J'y ai même pas lu. Allez. Hop. Il avance. Il n'y a pas une vitesse pour les curseurs. Voilà. Pic. Voilà, et dis donc deux. Et là, normalement, je devrais avoir 2-3 combats à la. Ouais, oui, j'ai mis les rencontres à la toile, c'est bon. Voilà. Et voilà. Et voilà. Petit salaud. Il fait 4 points de dégâts. Ah oui, vous avez également un bouton fuite. Vous n'avez pas besoin de merdouiller sur votre iPad ou iPhone, ça marche aussi, sur L1, R1, R2, L2, qui sont tout en haut, c'est quand même un peu la merde. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. C'est super cool. Allez, on va aller faire péter ce réacteur. J'ai dû faire ce jeu, mais je sais pas, j'ai dû jouer plus de 1000 heures sur ce jeu, c'est pas possible. Hé, hey, gros! Mais personne ne sait vraiment de dont il s'agit. Et toi, qu'est-ce que tu sais?
Sur le level. Allez, hop, on se grouille. Moi, ce que je veux, c'est la baston. Et hop, dans la poche. Ce qui s'appelle mettre barrette dans la poche. X, allez, vas-y, X. Je sais pas si Gus se rend compte que c'est des fucking terroristes. Courez ! Moi je me barre là parce que je m'en fous de ce que vous faites. Et youp la boule. Bien observer les détails. S'il y a des trucs que des fois tu peux passer mais tu vois pas bien. Et là, si. Il y a le coup de l'ascenseur. Appuie sur le bouton. Lequel ? Qui, hop, voilà. Tu pouvais. Et Jess, qui est une femme, donc, qui n'est pas un homme. Voilà, petit laïus écolo-terroriste. Ah là là. Et vous remarquerez aussi que les gens n'ont pas de mains. Ils ont des gros moignons. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah, Barrette a un pouce. Je n'ai jamais fait attention. Il y avait un moignon et un pouce. Oui, ils sont pas bons. Ça sent le brouillard mini. Oh oui. Comme c'est bon. Quick, 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 quick. Non, je me fais tirer dessus. Non, Alzer. Tomorrow. Donc Barrette se bat avec son bras mécanique et Clad se bat avec sa méga épée de la mort. J'ai toujours essayé de suivre Jess, mais elle va toujours trop vite. Et ici, je me suis perdu, mais un million de fois, avant de trouver la porte, et ben voilà. Je me fais sauvagement agresser par ces espèces de petites merdes. Attention, attention. Je suis touché. Voilà, de 1. Voilà, de 2. Et est-ce que l'autre va me foutre une? Voilà, de 3. Parfait. Ah oui, c'est juste, on peut les mettre en retrait. Donc Barrette a une arme de tir. Si je ne m'abuse, si je le mets en retrait, il ne perd pas de force. Alors, comment est-ce qu'on fait déjà pour le mettre en retrait? Et placé. Voilà. Bon, on verra, hein. S'il perd de la force, je le mettrai devant. Mais... Oh mon dieu, un trou! Ah ouais. Ouais, utilise l'échelle, machin, t'y vas, tu fais A, tu poses pas de questions. C'est cool. Mais quel est donc ce polier? Ce polygone bleu? Hop, une potion. Ouais, ok. J'ai un dialogue de malade, gros. C'est juste? Oui, c'est juste. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un point de sauvegarde. Comme il n'y a pas la sauvegarde automatique, ben je vais en profiter pour faire le save. Quand même, pas déconner. Oh non, je suis attaqué. Again, and again, and again, again, again. Ah ouais, mais ça c'est... Oh, petit salopio. Oh, tu as raté. Aïe, c'est qu'il faut mal, c'est con. Ah, merde. Est-ce que je peux tirer dessus, lui? Est-ce que je peux te taper dessus, lui? Ouh, coup de fumée. Ça ne va plus, là. C'est fini, là! Ça marche plus comme ça. Arme guidée. Non, je ne veux pas. Ah, j'arrive pas à appuyer dessus, voilà. Mes murs! On va taper sur les deux petits loups blancs, en fait. Comme bien, bien. Ouais, en fait, j'ai un petit peu merdé le coup, là. Oh, cette musique de combat. Mon dieu. C'est la vie, c'est la vie. Toutes les musiques de jeu ont bercé mon adolescence. C'est du 8 aussi. Je les utilise en jeu de rôle, je les utilise... Une musique d'ambiance, je dis surtout. J'ai fait la mouche de musique. Alors, enregistrer. Quake.
Oh non, on a droit qu'à 10 sauvegardes, merde. Comment je fais? Ah oui, on a droit qu'à 10 sauvegardes, mais dans chacune des 10 sauvegardes, il y en a 15. Je pense. Données perdues. Ah bon? Qu'est-ce que vous me dites là? Ah oui, bon, ok. Ça va bien. Voilà, voilà, voilà. Et on y va, on continue. Et là, il y aura le premier boss du jeu. Et le premier truc, what the fuck, où on comprend pas franchement tout ce qui se passe. Une matériale. Restaurée. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien utiliser. On va faire péter. Ouais, trop bien. Barrette et sa délicate subtilité. Puis là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'écran devient rouge? Ce n'est pas un simple réacteur. Qu'est-ce donc? Est-ce qu'il y a un dessin caché? Savoir que sur PlayStation, donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'était 3 CD de jeu qui étaient carrément... Attention, ils arrivent! Qui étaient carrément proposés. Vous aviez 3 CD. Qui étaient complètement... incroyables. Alors, non, blindé, ça ne m'intéresse pas. C'est juste, j'ai oublié qu'il y avait ces machins. Déplacé, ça ne m'intéresse pas non plus. Magie, éclair, je crois qu'il est sensible. Cible accrochée, ok. Tiens, moi je te cède dans ta gueule. Hein. Petite enflure. Ouais. Et ce boss-là nous dit tout de suite très clairement, fusil, bon, nous dit très clairement que le jeu est plus subtil qu'il n'y paraît. Je sais pas si je vais réussir à le buter avant qu'il... Normalement pas. Si ma mémoire est bonne. Voilà, donc vous voyez la queue qui monte de la bestiole. Chercheur de nuit. Je fais des effets pyrotechniques très jolis. Et là, normalement, si je me suis pas trop mêlé, il devrait... Non, fusil, ok. Il était mieux. Voilà. Alors, oh, Barrette est en limite. C'est bien fait, ça. Grand coup, les coups. Je me souviens des dernières limites, mais les premières, c'est tout fait. Oui, je fais un gros boom avec mon fusil. Voilà, donc c'est là où ça se dit attention, il y a la queue levée, il faut pas. Attention, attention. N'attaque pas si sa queue est en l'air, elle va contre-attaquer avec son laser. Oh non, je ne veux pas un laser. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va blinder, parce que comme évidemment j'ai été un peu nouille, j'ai dit attente. Donc on va simplement attendre qu'il se passe quelque chose. Et dès qu'il va relâcher la pression, on va lui mettre une grande mandale en travers de la gueule. Voilà. Ah, ça fait du bien, le bord. Hop. Bientôt plus de magie, moi, c'est quand même. Si, bon crochet, je m'en fous, je te tue maintenant. Comme je suis fort. Ouais! C'est trop la joie! Et je gagne plein de pecs, merde! Clad monte même pas de niveau, espèce d'abruti. Fusil d'attaque. On y va! On se tire! Autodestruction dans 10 minutes. Ah, c'est là où aussi, déjà, tu commences tout de suite, t'as un boss, qui te... Bah, ça, c'est le truc classique aussi, qui te dit clairement, faudra faire un minimum attention à ce que tu fais, et droit après, t'as 10 minutes, et tu sais pas jusqu'où tu dois aller. T'es là, non ! Alors, du coup, hop. Alors oui, on a 1000 fois le temps. Enregistré, données perdues, ça me fait peur quand ils me disent ça. Voilà, alors, voilà, hop, on monte... La petite échelle. Non, ça c'est un vrai faux. C'est un vrai faux chrono. C'est juste pour foutre la pression. Oh non, je suis pris en embuscade. Fuiton. Oh non, puis merde. J'ai vite pitché la gueule. Puis c'était ça qui était aussi super flippant, c'est que à force, tu disais bon bah c'est pas grave, il y a un chrono, je gère. Mais si vous
tu perdais ton temps avec des combats, il défilait quand même. Alors, il te faut à peu près... Allez, grand max, oui, merci, blabla. Il te faut grand max une minute pour remonter, s'il n'y a pas de combat. Si tu passes les 9 minutes restantes... Oh, putain, ça va piquer. Si tu passes les 9 minutes restantes à te battre... Oh, j'ai une limite avec Claude. Ça va, putain. Mais que faites-vous? Hop. Je pense que je le vois là. Blablabla. Bravo. Vas-y, go, mec. Comme il m'a esquivé mon tir... Et je me transforme en super guerrier. Bon, celui qui se transforme vraiment, c'est Vincent. Là, c'est claque vraiment. Mais c'est une autre histoire. Vincent, qui est un personnage qui n'est pas du tout fouillé dans le jeu, très très peu, beaucoup de mystères, et qui a été résolu dans en partie dans le malheureusement relativement mauvais jeu qui lui est consacré, je ne sais plus comment s'appelle le nom de ce jeu. Oh mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le pieds coincé? Est-ce que ça va? Merde, je t'attendais, je me suis coincé la jambe dans un trou, c'est con. Voilà comment on noue des liens avec les gens. Allez gros! Voilà. Mais c'est comment, c'est pas facile, j'ai pas l'habitude. Et on continue! Oh non mon dieu, il me reste 7 minutes 30, non! Ah, c'est le truc. Et voilà, on remonte des escaliers. Et là, je me suis perdu la première fois. Je suis passé à côté des escaliers, il y a des trucs énormes en dessous où il n'y a rien. Je me suis fait attaquer 1 million de fois. C'était émotionnellement éprouvant parce que j'arrivais pas à avancer. Non, le début de ce jeu est très immersif, il est très très bon. J'aime énormément. Et très très simple, hein. Je veux dire, c'est bête. C'est du Final Fantasy, comme on a dit après. C'est très con comme façon de gérer les trucs. Puis bon, bah là, vous pouvez aussi aller vous amuser. Ah tiens, une échelle, je peux pas monter dessus. J'arrive pas parce que mes commandes sont... Voilà, oui, si. Voilà, vous pouvez décider. Mais que se passe-t-il? Je crois qu'il y a encore un moyen de monter plus haut. Non, on va descendre parce que je vais encore me planter avec ces commandes à la... Voilà. J'aurais l'air malin. Ah bon, bah après 10 minutes de jeu, il est mort. C'est déjà bon. Un ascenseur! Et pousse sur le bouton! Allumé. Yo! Pas de direction de merde! Allons-y! Bah oui, j'attends que ça. Code déchiffré. Oui, on l'avait à l'aller, mais on l'a plus partout. Ils ont changé les codes, les salons. Oh non! Mais vous êtes sûr de ça? Et ces graphismes de ouf pour les armes, pour les attaques. Oh, puis les invocations. Oh là 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 là, tant de souvenirs, tant de choses. Par contre, je vous avertis tout de suite, il va y avoir des passages de farm. Parce que dans le jeu, ma foi, bah, parfois il faut farmer, ne serait-ce que pour avoir les différents chocobos. Pour booster les matériaux que vous possédez, pour qu'elles aient plus d'effets et autres. Et je vais sans doute pas let's player quand je fais que du farm. Parce que c'est chiant. Enfin, je pense, pour vous, c'est chiant. Je sais pas, hein, comme il n'y a pas tellement de farm au début, libre à vous de me dire si vous avez envie de voir du farm. De même que il y a une matériel qui s'appelle Talent de l'ennemi, où si ma mémoire est bonne, il faut que je rencontre un certain nombre d'ennemis qui me fassent une attaque pour les copier. Un truc dans ce genre-là, je crois. Qui est parfois assez merdique à avoir. Ces ennemis, ils sont pas toujours les mêmes dans les zones. Donc du coup, je vais pas... J'ai envie de faire le jeu bien, mais je vais... et du coup, je vais farmer pour un certain nombre de trucs. Mais je vais pas vous imposer 20 heures de farm. Enfin, quoi que, au final, c'est vous qui choisissez de regarder ou pas. Je mettrai un hashtag farm. Mais non, t'es retombé, qu'est-ce que tu fous? Lève-toi!
Je mettrai un hashtag farm devant le devant les vidéos où il y aura plus de 70% de farm. Vous n'êtes pas obligé, vous êtes pas obligé de la garder. Ça sera plus facile. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? On dirait ce qu'on veut, mais l'ambiance est quand même extraordinaire. Reculez tous! Reculez tous! Non, je vais pas vous faire les voix avec les dialogues. Et hop, petite roulade! Hop, gros saut! Et puis les autres ils courent au travers pendant qu'il y en a un qui se crame les fesses. Oui, il faut un peu extrapoler sur le fait qu'ils ont chaud au cul. Ok, on se rejoint à la guerre, mec. Hey! What the? Et moi, je ne peux pas faire de saut, je suis obligé d'emprunter les escaliers, c'est abominable. Et là, une des scènes les plus horribles du jeu. Aerys, bousculé. Espèce de bâtard, si je te trouve, je te mange! Excuse-moi. Rien. C'est joli, peur. Oh oui, je les aime. Allez hop, j'ai fait. Parce que je suis riche. Parce que tu es monstre bonne. Parce que tu es le personnage principal du jeu. Enfin, un des personnages principaux du jeu. Cette musique. Juste ça. Cette ambiance sonore. Mon dieu. Tous ces souvenirs qui remontent à la surface. Est-ce que j'arrive à mettre un tout petit peu plus fort. C'est bon. Alors, si ma mémoire est bonne. Elle ne l'avait pas. Ah, il y a un truc bleu là. Qu'est-ce que tu dis toi? Que se passe-t-il? Un popo, j'en ai bien assez. L'énergie Mako ne dure pas éternellement. Vandalisons les... Oui, puis il s'appelle Avalanche. Mais il me semblait qu'il y avait un autre objet. Mes mémoires me jouent-elles des tours? C'est possible. Oups. Hey, toi là-bas! Oh merde! Alors, qu'est-ce que je fais? Je les poutre ou j'ai pas envie? Ah, j'ai pas eu le choix, bon, ok. Ah, mais je suis guéri, bon, c'est bon, je poutre. Là, par contre, je vais un petit peu baisser le volume, ça va. Parce que même si cette musique de combat est une pure tuerie, entre guillemets, pas trop. Mais voilà, c'est ça. Oh là là. J'en ai des vapeurs. Il ne faut pas grand-chose, vous allez dire. Mais ce jeu a tellement symbolisé pour moi que... Et hop, on y va, on tabasse tout le monde. Que c'est au-delà de la portée d'un simple jeu, c'est tout un symbole auquel j'en joue actuellement. Papa, je te prouve. Papa, je suis méchant. Papa. Oui, alors là, bon, effectivement, les combats ne sont pas... Je ne me sens pas mis en danger. Yo. À part quelques monstres bien précis, si t'as fait ce qu'il faut, je les attaque normalement, il ne pas avoir trop de problèmes. Oh là là, mais il me tape dans le dos! Oh, mais dis donc! Mais pour qui te prends-tu? Tiens, meurs! Eh, dis donc, Anaï! Toi là qui m'a fait bien mal, je te garde pour la fin. Tu vas cuiner, mon lascar! Allez, j'ai pas fait de la glace. Tiens, bouffe-toi un. Bouffe-toi un glaçon dans la gueule. Hop, pépex.
Puis on vient toujours de ces soldats de merde. Oh ben non. Tu ne peux pas continuer plus loin. En attaque! Et il est plein. Ça a l'air facile quand il le fait. Il n'y a pas comme ça. En fait, c'est super aisé. Faut se lancer, faut se jeter à l'eau. C'est tout aussi. Je crois qu'il lui faudra un stage de gestion de la colère à ce brave Barrett. Entrez! YOLO! Ah bah non, il est là! Putain, le personnage principal du jeu est là! Oh là là! Allez! Hop, je me pose mieux dans ma chaise. Olé! Ah oui, avec tous ces petits gestes là, le petit coup de la jambe en avant et la main qui se lève en arc de cercle, le truc vraiment. Ah oui, c'est bon de trouver ça. Avec les gars qui ont des articulations, tu sais pas comment ça fonctionne. Quoi? Le mec, il est arrogant et il lui enlève de la thune. Okay. Et là, l'attaque du crapaud. Ouyo! Ouyo! Re-ouyo! Et elle qui a le bon goût de fermer la porte parce qu'on s'entend plus parler. Oh mon chéri, ton visage est tout noir. Là, on dirait quand même qu'elle fait un autre truc. Mais... le visage est au niveau de la poitrine, c'est pas mal. Et les coups d'épée dans la gueule, non, il n'y a personne qui en parle de ça. Allez, hop. Cynthia de train. Super plaisir pour entraîner. Merci, senti. Il y avait pas. Blablabla, ça en sait. Mais ici, il n'y avait pas la thune à récupérer. Bon, ok. Alors, eh, dis donc, oh là, dis donc, oh là, arrête de déchirer, oh, hein? Non mais, oh. Toute ma vie, je me suis senti paumé. Qu'est-ce que je lui ai répondu, putain? Ouais, c'est bien. Allez, hop. Oui, je veux regarder ça avec toi. Oh, bah, dis donc. Une télévision. C'est compliqué à regarder une première fois, tu vois le truc, tu comprends pas où ça va, quoi, comment. Ah non, point de passage. Mais je n'ai rien fait, ce n'est pas moi.
Tu es pleine de surprises. Il n'y a pas assez de place. Un style de réflexion philosophique. C'était quand même beau, tu te laissais porter par tout le charme du truc. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je veux pas, je suis un rebelle. Monsieur. Ouais, ok. Sur la planque, oui, ça marche. Il y avait des trucs à faire pour récupérer des objets. C'est la merde, dans ma tête ça s'embrouille. Alors je crois que c'est à peu près ça. Non. Est-ce qu'il faut que je fasse non redescendre? Voilà. Alors, tac. Est-ce que je peux aller? Non, évidemment. Oh mais putain, des monstres! Est-ce qu'ils sont de mon niveau? Est-ce que ça c'est aussi le truc? Ah oui, c'est vrai. Ennemi en vue! Bah tape! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais que fait-il? Non mais pourquoi? Ah merde, il tombe sur le feu, t'as pas encore tapé. Tant pis. Feu! D'accord, glace! Ça ne marche pas. Et j'ai une limite. Est-ce que je suis un gueudin? À quoi sert ce bouton? Le petit point, il sert, on ne sait pas. Bon, on descend. Mais c'est maintenant qu'on peut faire ça? Je ne sais même plus. Est-ce que je peux passer là? Non, ça va arriver au compromis. Je sais qu'on peut, mais je ne sais plus comment. Encore. Aïe, ça a piqué. Comme je l'ai dit, pas comme ça. Bravo! Je suis vénère. Alors, chaque limite, il y a 4 niveaux de limite. Et dans chaque niveau, il y a 2 limites, excepté la main, il n'y en a qu'une. Pour débloquer la limite numéro 2, il faut utiliser la 1 un certain nombre de fois. Et du coup, une fois que vous utilisez la 1 un certain nombre de fois, la 2 se débloque. Il faut utiliser la 2 un certain nombre de fois. Pour ensuite, comment on fait déjà? Alors je vais mettre ça, paf, non, pas dans le contrôleur. La 2 un certain nombre de fois pour ensuite pouvoir débloquer la 3. Enfin, c'est tout un système un peu chiant parfois. Ouais, ok, ça je peux y aller. Mais je ne peux pas descendre. Est-ce que c'est de ce côté-là que je peux faire ça? Oh, mais oui. Youhou, là. Est-ce que j'arrive à passer? Non. Je pense que... Bon. On va retourner par là. On verra bien s'il y a une autre chemin. Ça n'a pas l'air. Ah, merde. Non. On va bien. Non, ça c'est bloqué. Point de sauvegarde, il y en a un qui est en train d'uriner dans le coin. Non, je veux pas. Non.
Bah oui, j'ai plutôt l'impression. Oui, je vais entrer. Oh, mais non, me dis pas quoi faire, bordel. Hop, tac, tac. Enregistrer. Donc je veux pas aller par en bas, ben on va essayer d'aller par là. Le mec il arrive chez lui, il canarde tout le monde, histoire d'avoir un peu la paix, trop bien. Ça sent le type sympa. Non, qu'est-ce que je devrais avoir entendu? Mon dieu. Bon quoi. Salaud! Salaud terroriste! Allez, allons piller les maisons. Mais que se passe-t-il? Oui, c'est Barrette, il a un problème de colère. Il a un problème de gestion, la colère. Fermé, revenez de Marco, ça. Et toi? Tout le. Ok, machin est en anglais, j'en comprends moins. Bijoux de fer. Fusil d'attaque, grenade. Bon, je vais acheter un bijou de fer. Grenade! Voilà, voilà. Le mec il fait pompon avec son bras, j'imagine qu'il a aussi un bras. Mais... Non merde, c'est pas ça que je veux dire. J'imagine qu'il a aussi un bras métal. Un fusil, ou alors c'est un mytho. Mais... Hop. Oh ben non, chien, chien. Oh, dis donc. Blaze, blaze, blaze. Oh, le salon. Ben laisse-moi entrer, je vais déjà t'en débarrasser de ce stock. Va voir, on va trouver un terrain d'entente. Allez, non, c'est pas ça. Oh, non, c'est pas là. Non. Ce joystick tactile est une. Voilà. Est une putain d'aberration. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, allez, hop, je dois prodigile. Faites pour rêve, grimper. T'en fous, grimper. Eh ben voilà. Oh. Ah oui, cette musique de dodo. Et j'ai claqué digile pour rien parce qu'après, je vais de toute façon dormir. Et là, le truc merveilleux, c'est que t'as roupillé, t'as récupéré toutes tes vies. La vie est belle, ce plumeur est drôle, trop trop bien. C'est un string, hein? Non. Mais les choses n'ont pas changé. Donc, toujours les mecs qui sont en train de suer parce qu'ils créent des trouilles. Allez hop, on saute par-dessus. Est-ce que je peux faire la même chose par là? Je suis un ouf malade. Bon, non, ici n'y arrive pas. Allez, ok. Je vais peut-être m'équiper de mon bracelet. Bracelet. Équipé. Je peux pas. Mais c'est là. Ah bah c'est là. Tac. Je suis un fou.
Ah. Commande de merde. Bon, si je vais là, je vais encore me faire baguer, je vais en avoir pour 3 heures. Je vais pas tirer sur toi. Oui, pendant que tu le peux encore. C'est combien de temps que je fais le let's play? Je vais pas faire un let's play de 6 heures. Attendez, laissez-moi un tout petit moment, histoire que je sache combien de temps je fais. Ouais, on va continuer. Ok, pause d'abord. Mais non, mais je veux pas. Mais pourquoi me fais-tu cela, moi, salaud? Ah oui, d'accord, ça va. Oh. Ah oui. Salut, Yamine. Et Tifa. Ça peut me parler. Salut. Je me suis battu avec. La question c'est, je me suis battu contre lui ou avec lui? Non, pas cette fois. J'ai grandi. Oh. Vas-y Tifa, fais péter. Ah, Tifa. Évidemment, tout le monde se souvient de ses boucles. Il y a des trucs totalement improbables à supporter. Est-ce que je la donne à la gamine ou est-ce que je la donne à Tifa? Est-ce que je vais me taper la gamine ou Tifa? Bon, hop, voilà, tiens, Tifa. Je m'en fous de ta vie, ça m'intéresse pas, yolo. Ouais, mais pourquoi pas? Oh, trincon, on a de succès! Blabla. Jess, qu'est-ce que tu me dis? Vas-y, me fais péter. Allez, je sais qu'il y a une entrée. le frigo, le machin. Bon, ok. Et on reparle à Tifa. Non, c'est pas elle. Bon, alors on essaie de ressortir. Le gros barbu va rentrer. Ouais, ma fille, c'est trop bien. Et hop, on saute dans le trou. Youp la babou. Moi je vais me taper la fille. Assieds-toi. Oui, oui madame. Oh, vas-y, tu joues plus fort. Les petits sons sont tellement beaux. Bon, après m'être peinté la gueule... Non, je suis complètement ivre cac. Oui, madame. Voilà, moi je peux descendre avec un appuyant sur un bouton, je peux même taper. Ah, mais cet homme, mais quel brut. Oups. Non. Et voilà qu'on balance des gens sur les caméras. Blablabla. Bla, bla. Ouais, papa, t'es trop fort. Oui, la baston. Je veux aller lire ce qui est marqué sur. Ouais, il y a plus de cochon.
règles, des choses pour tout le monde à la place. Allez, hop, je me confie, je suis attendu. Ah oui, c'est trop mignon. Oh, t'as fini, espèce de gros. Oui, oui, je me confie, oui, je suis, voilà, merci, voilà, casse-toi, hop, moi je remonte. Parce que l'autre, il fait du temps, c'est chiant. Allez, vite, fouillons. Je ne peux pas bouger. Non, je me suis fait appâner. Viens avec nous, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Quoi? Comment peux-tu dire cela? On va répondre avec sa bouche, hein. Je ne dis jamais dessus, je suis désolé. Tu as oublié ta promesse. Merde, ma promesse. Chier, encore des promesses. Attention, le flashback de merde. Le puits. Attends, je me souviens. Ah ouais, j'étais ivre cac. C'est trop mignon. On dirait Link. J'ai des articulations trop cheloues. Et depuis, t'es tellement grand. Titali-tali. C'est mignon. Ouais, alors celui-là, hein. De Dieu, de Dieu. Et je monte tout au sommet. Est-ce que je vais me la péter? Oui, c'est des adolescents, on va pas leur demander de faire plus. Est-ce que tu viendras me sauver? Je suis une princesse. Putain, Peach, bordel de merde. Je ne suis pas Mario. Je ressemble à Link, mais tu n'es pas Zelda. Oh là là. Et oui, bah le mec... Bah t'as jamais joué à Super Mario ou Légende de Zelda, non? Et le con, il va le faire. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on fait pas quand on est adolescent et qu'on a une copine à fin de poitrine? Non, je ne me rappelle pas. Oui, bonjour, salut, moi ça m'intéresse pas de prendre l'ascenseur. Je sais pas où ils dorment, hein. Visiblement, il n'y a pas tellement de lits dans le coin. Bah voilà, ils dorment dans le coin, effectivement. C'est le cas de lit. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu? Est-ce que je peux aller piquer un truc? Ou alors il s'est fait tabasser, le pauvre, il s'est retrouvé au fond du truc. Ding dong, ding dong. La cloche sonne. Et...
Bon, qu'est-ce que je la fais? Non, à cause de Barrette ou à tes côtés? Allez, on va y aller avec Barrette. J'ignore ce que tu veux dire, je ne comprends pas. Non. Cette fois, tu t'en vas. Rien que ça. C'est une pièce de Bourgandine. Non, si je fais le didacticiel du truc, ça va vraiment me casser les couilles. Désolé, Barrett. Oui, je sais. Bon, il y a des tas de gens qui veulent... D'accord. On laisse une gamine mineure vendre de l'alcool à des clodos. Oui, beau la mentalité. Hop. Matériel. Alors, d'abord... Et Barrette, est-ce que je reste ouais, bah on va ça. Ouais. Puis je vais aller faire quelques emplettes. J'ai horriblement le nez qui gratte. Ça me fait mal. Un truc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Donne-moi le médoc. Je suis un client, oui, je suis un client. On y va. Feu, glace, foudre, restauré, ça coûte la peau du coup, bisous, peut-être. Allez, feu. Potion, j'en ai une. Chut, que de phénix, ça coûte aussi la peau des yeux du cul. Okay, je vais juste prendre ça, j'ai pas besoin d'autre chose pour le moment. Je reviendrai après la cimesse de l'argent. Et. Oh, mais ça va aller, oui. Non, mais. Oh, mais. Sérieux, on va mettre le pad tellement je vais tout. Tiens, on va prendre la manche là. Mais c'est pas ça que je veux. Non, non, arrête. Ah. Ok. J'ai pas tellement peur de toi, moi, mais si tu veux. Hop. Ça, j'ai déjà, ça, j'ai. Je joue des grenades, je m'en fous. Et on va vendre. Je ne peux pas vendre le fusil automatique, c'est juste, j'ai oublié. Il y tient. Certains équipements ne peuvent pas être vendus. Pour une raison qui... Et là, normalement, si je fais... Voilà. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Non ! Foudre, et puis... Il a pas mal de magie. Moi, mais aussi... Lui il a déjà un truc. On va mettre du feu. Tifa, mets le feu. Oh mais. Bon, j'en vais un petit système. Comme ça. C'est impossible. Oh bah dis donc, on prend le sauvegarde. Si c'est pas con, la vie. Non, non, mais... Regarde à toi. Bon, je suis à coffre, t'en voir. Ouais, ça, c'est la petite zone d'explication. Ouais, non, mais c'est bon. Tout le monde a des limites, c'est de la folie. Tout le monde se fout par tapis. Il y a les gros machos, là, qui font... Est-ce que tu veux, toi? Matériel, tout. Ah oui, c'est bien, ça. Oh, yeah! Éther. Alors...
Qu'est-ce qu'il veut, monsieur? Le hall des débutants. Je ne veux rien savoir du tout. C'est tout. Et je vais du coup devoir me... Donc, voilà. Est-ce que maintenant que j'ai le matériel, tout... Voilà. Et on va switcher pour permettre à Barrette d'avoir une attaque magique. Voilà, si ça c'est pas de la balle. Est-ce que j'arrive à choper le... Merci. C'est parfait. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier let's play de Final Fantasy. On va arrêter là. J'ai à peu près fait une heure, c'est parfait. Et ben, d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite plein de bonheur. Et si vous voulez jouer aussi à Final Fantasy, n'hésitez pas. Il est achetable sur iOS. Bref, à la prochaine. Ciao.